Et nous sommes repartis dans le monde formidable qui est l'oppression des aliens. La dernière fois, alors vu que j'avais fait une petite pause et que je suis retourné sur XCOM 2, c'est le pire, hein, c'est le pire. Hein. Petit conseil, si vous jouez à XCOM 2, ne lâchez pas. Parce que si vous jouez à un jeu un peu plus violent, vous allez vouloir lancer vos troupes en plein milieu. Et après, c'est ce qui arrive, c'est ça. C'est genre le truc, il lui reste plus qu'un HP. Voilà, donc la dernière fois, Monsieur Spark a tanké à mort, je l'ai exposé comme un con. Mais c'était drôle, mais il est sorti avec un HP, c'était quand même intense. Donc voilà, bon, pendant un mois, plus d'un mois, on va pas l'avoir. Ça fait un peu mal au bataillon, mais on va se débrouiller. On a eu quelques autres blessés, elle a brûlé. Pierce, il s'est fait tirer dessus. Voilà. C'était un peu carnage, mais ça s'est passé. L'important, c'est la réussite. L'important, c'est la réussite. Alors, nous étions en train de faire ça. Calcul du nouveau cap du Talion. Simple figure de rappel, commandant. Tant que vous ne rejoindrez pas les anciens, tous ceux qui vous soutiennent connaîtront le même sort. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est la plus développée pour un personnage, hein, pour un caractère en fait, dans le jeu. Car tout ce qu'elle dit est cool. Et sympa, quoi. Genre, c'est juste une piqûre de rappel. Les élus ne reculeront devant rien pour vous retrouver, commandant. Même s'ils ça, doivent bon. Détruire un campement de partisans. Donc de voilà, enfin, je sais pas, je la trouve vraiment bien. Ligne de défense. Alors que les autres, je les aime pas du tout, quoi. On a butin aléatoire. Butin aléatoire et renseignement. On a 280 de renseignement. Ce qu'on pourrait faire, c'est guérison rapide. Ce que je voudrais voir en guérison rapide, combien de jours est-ce qu'il y a écrit, là? Est-ce que ça va l'activer, en fait? Est-ce qu'on va voir la diminution des jours si on est sur la balise? 4-4, 32... 32. On avait dit 32. On va rester 2 jours juste pour voir un peu. 2. On va voir un peu. On était à 32, hein. Ouais, quand même. Les autres, ils sont déjà prêts. Ouais. Non, ça peut être intéressant. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est attaquer l'élu en faisant ça. Ah, mais on n'a pas les gros personnages, je crois. Attendez, putain. Chaque fois que je veux attaquer l'élu, je le fais jamais, je suis désolé. Alors, ça nous ferait Lupo, très important. Pierce, 2. Freeman, 3. Elena, 4. Et après, Sniper. Spectre. Spectre, 5. Il nous faut un sixième. Il nous faut un sixième, je crois. Et après, on aurait un autre lance-grenade si besoin. On le fait? On pourrait le faire. Oh, 16h, c'est bientôt fini. Ok, on va finir les frères d'armes et on attaque l'élu. Peu importe ce qui se passe. Tada! Ok. C'est l'heure de l'élu. C'est l'heure de l'élu. Très très bien, mission secrète, phase de grade 3 jours. Bah tu viendras pas, Spectre, on verra. Enfin, on verra si tu viendras. On a ça, on a le centre de communication qui est bientôt fini. On pourra faire une connexion. Une connexion. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, oui. Commandant. Fabrication d'objets. On a armure, il nous manque 600. Il nous manque à peu près 40. Donc je pense qu'on va faire ça. Les armes pour le moment, on n'a rien. Alors, on a ça, mais les fusils plasmiques, on les a. Amélioration pour les soins. Les fusils plasmiques, on les utilise pas. Donc à la limite, ça, on laisse. Là, on laisse, on les prend pas. Les pistolets aussi, on les utilise pas. Donc on laisse.
Les épées aussi, on les utilise pas, donc on laisse. Il y a plein de choses en fait, faut faire très attention à chaque fois. Fusil plasmique, c'est normalement c'est les... On va aller acheter, on va aller vendre des trucs. Normalement ce sont les... Calcul du nouveau cap du Talion. Spécialistes, ce sont les spécialistes qui prennent ça, mais nous on l'a pas parce qu'on a, on prend un spécialiste et c'est toujours celui avec le... Le marché est ouvert. Il a toujours... noyau, cadavre, spectre. Le lance-carreau. Donc, bah du coup, ça nous sert à rien. On a eu un gilet de protection en renforçant... Je sais plus lequel c'est. Ah, c'est pas celui... Non, c'est le stase, celui-là qui soigne. Protection, je sais plus trop. Je crois que ça rajoute de la vie. Je crois que c'est de la vie. Attendez, c'est cadavre de spectre. 20. Tac. On a combien? 30. Arco. Tada! Allez, c'est parti. De nouveaux ordres, commandant? En train de faire moderniser costume blindage d'Icar. Ok, on va peut-être faire le blindage d'Icar en premier. Blindage d'Icar est cool. Et là, je du coup, on achète ça. Et même ça, pour être honnête, on va le faire parce que c'est la dernière armure. Mais même ça, c'est pas extrêmement utile. Voici notre armure force de base. Elle est aussi résistante que son nom et son apparence le laisse entendre. Pourquoi? Parce que, au final, il y a très peu de gens qui l'ont, cette armure. Mais bon, ça reste toujours intéressant. C'est parce que ça protège un peu plus. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer l'élu. Yo, ta gueule. Notre tag de Darmon Masha a fini par nous conduire ici, là où réside son pouvoir. Ni les ténèbres qu'elle contrôle, ni les anciens qui la dirigent ne pourront plus rien pour elle une fois que nous aurons réussi à prendre sa forteresse d'assaut. Calcul du nouveau cap du Talion. On aurait dû garder l'argent pour créer ses armes. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du Jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Arrête. Commandant, nous aurons décollé l'entrée secrète dans la forteresse de l'élu, mais nous pourrons l'utiliser qu'une seule fois. Si nous ne sortons pas victorieux aujourd'hui, nous n'aurons pas d'autre chance. Assurez-vous que vos soldats soient bien préparés à venir envoyer le combat. Je sais pas pourquoi on a un zoom comme ça, on voit plus rien. Trop bien. Ah voilà. Lupo. Elle est faible contre qui, l'assassin? Red, je crois. On va prendre Mox, Elena, Beltway. J'ai du mal à le prononcer. Beltway. Deux. Regardez. Eh, quoi que non, ça marche aussi sur sur Mox. Ouais, non, j'avais oublié. C'est vrai que ça marche sur Mox et ça marche sur elle. Allez, ouais, non. Parce que j'allais dire qu'il y a que lui, en fait. Freeman, on le laisse avec cette armure. On dit qu'il a une petite amélioration. On va le laisser. Parce que franchement, j'aime pas vraiment le look de l'autre arme. Désolé, hein, mais le mode est très cool, hein, mais... Le mode est très très cool de mettre l'armure de Half-Life. J'avais un doute sur le. Mais désolé, hein, j'aime pas.
Elle rend mal en fait. Bon, toi t'es en serpent. On va te mettre en gardien. Belle tuée, on va le mettre en rage. Elle est jolie comme ça. Attendez. Alors c'est quoi santé plus 2? Non, plus 1. 2 plus 1. Ah oui, ça immunise contre le feu, l'acide et le poison. Ah, exact, c'est cool. Ça immunise contre le feu et le poison. C'est pas très utile. En fait, ça serait utile pour elle si elle avait pas l'armure du serpent. Ça serait très utile pour elle si elle avait pas l'armure du serpent. Mais bon, l'armure du serpent est mieux. Qu'on augmente son arme au niveau 3, qu'on puisse lui mettre un... Ah mais attends, elle est déjà... Elle peut pas avoir deux augmentations? Désolé, je vais passer encore une minute de là-dedans. Non, elle peut pas. Parce que j'aurais bien mis un... Un répétiteur, là. Un truc pour tuer instantanément. Ah bah du coup ça va être toi le gilet de protection. Voilà. Toi comme d'hab t'es critique parce que tu veux va te mettre derrière les ennemis tout ça. Toi on va te mettre l'armuroir. Donc requête, grenade acide, poison, tu tires du poison. Là on va mettre requête. Ah oui, désolé si je mets du temps à répondre aux commentaires des fois sur les vidéos. C'est parce que vu que je fais les vidéos en avance, après il faut que je revienne dessus pour regarder les commentaires. Je vais mettre ça parce que c'est vrai que je viens juste d'y penser, je devais répondre à quelqu'un par rapport à un mod et j'ai pas regardé. Rage, requête, rage. Qu'est-ce qu'on va te mettre? On va mettre la glace. Comme ça il y en a deux. Et on va te mettre. Poison. Poison. Explosif. Acide explosif. Enfin, acide, je suis pas super fan. Je suis vraiment pas super fan du tout de l'acide. On a du poison. Ah oui, on a deux fois poison. Non, on va changer. On va mettre autre chose. On a du feu. Qui a le feu, s'il vous plaît? Je crois que c'est le sniper. Spectre. Voilà. Feu, poison. Et là on a glace et grenade poison. On a explosif, explosif. Elle est toujours en précision parce qu'elle peut critiquer tout ça facilement. Lui il a le leurre. Lui il est protégé contre acide et tout machin. Ouais non c'est bon déjà. On a des points à dépenser. 40. 40 d'XCOM. Faucheur, ça lui sert à rien. Couverture, non. Fantôme, non. Elle a rien d'intéressant. Mox. Détournement, ça peut être utile. Comme ça, il peut...
peut tirer plusieurs fois. Punition céleste. Œil de lynx. Œil de lynx, ça peut être cool. J'aime beaucoup œil de lynx. Allez, go. On a assez perdu de temps. Enfin temps pour nous d'aller affronter les élus directement sur leur terrain. Nous n'avons quasiment aucune information sur cette installation. Et à dire vrai, vous serez sans doute les tout premiers humains à y mettre les pieds. Je sais que la situation n'est pas idéale, mais c'est peut-être la seule chance que nous aurons d'abattre l'une de ces créatures. Bonne chance, et soyez prudents. Je vais être honnête, je me rappelle plus comment ça se passe. Écoutez-moi, restez sur vos gardes et n'oubliez pas votre mission. Nous devons abattre cette créature, coûte que coûte. Je capte de fortes signatures énergétiques un peu plus loin dans l'installation. Aucun doute, ça vient forcément de notre élu. Alors c'est par là que nous allons. Vous pouvez être fier, XCOM. Personne n'était jamais arrivé jusque-là. Votre mort sera un grand honneur pour les anciens. Ça marche. Honnêtement, je me rappelle plus. On est bon. Oh, Elena, elle a pas peur des anciens. Merde. Peur des tirs manqués. Non, ça va. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait peur des anciens. J'y vais. On va aller là en premier. Advent forces on the ground. Bon, on ne comptait pas se faufiler de toute façon. Neutralisez ces créatures. C'est ma faute, là on a merdé. Ouais. Là on a merdé un peu. Je suis triste. Je suis triste. J'ai merdé. Allez. Wow. Bien joué, Gordon. Piece of crap. Ah ouais, là c'est... Je sais même pas quoi dire. Bannissement, ça se fait une seule fois. Non. Catastrophe, c'est une catastrophe. Is he dead?
Il a le grappin, Max? Ah oui, il a le grappin. Ah, je suis déçu, désolé, je parle pas là parce que ça me fait chier. Une armure solide. Il y a combien de vies? 6. Ça va, on va le tuer. I guess that'll be okay. J'ai dit, c'est pas grave, on va le tuer. Putain de merde, oh la vache, t'es sérieux? Non, elle le voit pas. Non, elle le voit pas. Récupérer deux actions. Killing you is our way out of here. J'espérais que vous ne trouviez jamais cet endroit, XCOM. Vous me forcez la main. Je ne peux pas me permettre de vous laisser faire. C'est marrant parce qu'elle a utilisé deux actions du coup. Enfin non, elle avait récupéré une action en plus, c'était marrant. Oh là là. Bon, on a sauvé la face plutôt. J'allais dire on a sauvé l'histoire, non, on a sauvé vraiment la face. Et c'est à peu près tout. On a fait de la merde sinon. Bon, c'est par là. Come get some. I'm ready. Je crois que non, votre monde est en ruine. Et c'est ici que vous venez pour m'affronter. Vous gaspillez le peu de temps qu'il vous reste. Vous n'êtes pas digne de ce monde. C'est con ce que je fais en fait. Putain, pourquoi je place pas les gens avant? Avant qu'on bouge. Avant qu'on s'avance. Let's go. Une grande distance. Voilà. On va placer les gens. Comme ça, si on les découvre ou qu'ils viennent, on les défonce. J'avais préconisé aux anciens la patience envers votre espèce, et pourtant vous voilà. Mes frères avaient raison. Vous n'êtes pas digne de vivre. Je vais où vous voulez. Let's move. Je vais faire vite. We need to finish the mission. Okay, I'll go. C'est un truc qui explose. Moving to Overwatch. Come out. Play. J'ai mis les deux mobs. Les anciens auraient pu anéantir votre espèce entière d'un seul ordre. À la place, ils ont reconstruit votre monde et vous ont offert l'espoir. Vos actes aujourd'hui sont un affront à leur générosité. Là, il n'y a pas de porte. On est bon. J'ai mis les deux là. Parce que Mox et Lupo, ils peuvent tirer plusieurs fois d'affilée. Ah, en Overwatch. All right. Hurry. Rolling out. Yeah, I'm just gonna stroll in there like I own the damn place. Je vais faire attention. I'm ready! Sort of! Pourquoi XCOM refuse-t-il à ce point de faire confiance aux anciens?
de croire qu'ils combattent pour plus qu'un seul monde. Que l'humanité n'est pas le centre de l'univers, mais un minuscule rouage dans son ensemble. What's over there? I don't want to think about this. Okay, got it covered. I'm watching. Shoot him before they push you out. Vos plus grands esprits parviennent à peine à saisir quelques bribes du savoir des anciens. Ils doivent bien comprendre la futilité de ce conflit. Vous ne survivrez que d'une seule manière, en vous soumettant. Ah, il y a là aussi. We have an objective. If you say so. Okay. Right. Okay. C'est bon. On overwatch. Team, tighten up. Trust these guys. We have insurance policy. N'essayez pas de vous cacher. Leur patrouille minable se déplace. Il y en a quatre. Les anciens ont beau vous offrir leur clémence, vous résistez. Vous n'agissez pas par vertu, mais par colère. C'est toute votre espèce que vous condamnez. Je change de position. On va faire un truc. On va faire un truc mes prochains tours. Quoique. Lupo, tu peux. Non, tu peux pas. Ok, prochain tour. Overwatch! Alien! About play! Ce qu'on va faire, on va fermer la porte. On va placer XCOM. Et après, on va ouvrir la porte. Ou alors, on va les laisser venir. Nous ne cherchons pas votre souffrance. Le sacrifice de l'humanité sera immense. Mais la récompense à la hauteur. Acceptez ma domination, XCOM, et vous assurerez un tu avenir à pourquoi votre peuple. Tu m'expliques pourquoi là ça va les trigger, alors que la porte elle est fermée. C'est chiant ça. You heard him, let's move. Move! I'm trusting you here. Ah. Je suis à vos ordres. Faut que vous fermiez ça aussi. Oh. Il ne sert à rien de vous cacher. Petite bestiole. Je bouge. Scanning. Ready. Sort of. Voilà. S'ils viennent vers nous, ils ouvrent la porte, ils se font tirer dessus. Mox et Lupo vont tirer plusieurs fois, théoriquement. On devra en tuer 2, 3, 4. Nous ne sommes pas des monstres. Nous ne cherchons pas à tuer, ni à détruire. Vous projetez vos propres échecs sur nous. Vous refusez de voir la vérité. We can do that. Okay, I'll go. Where am I going? Sarania sont là. Ma vie est entre vos mains. Après, s'ils viennent pas, bon bah merde, mais ça m'étonnerait quand même. Et voilà. C'est tout ? Ah, quand même. Ah, ok. C'est pas beaucoup. Il y a eu zéro mort. Vous êtes fous de moi ? J'offre la paix, XCOM. Pas pour vous qui serez bientôt morts, mais pour vos descendants. Ah, les autres, ils ont bugué en fait. Enfin, ils ont bugué. Pour que l'univers plus ou moins, ouais. Puisse survivre.
Ils sont plus ou moins buggés. Ok. On a un 9 là, on a 14. Ah, lui il est mort. Hein. Lui il est mort. C'est pour ça qu'il a buggé en fait. Il n'y en a que 3. Donc on a tué quelqu'un quand même. C'est pour ça que je voulais faire cette... cette embuscade, parce que... Parce que, en fait, quand c'est pris comme ça, là, ils savent pas trop quoi faire et ils font souvent de la merde. Ils font très très souvent de la merde. Quand il y a une porte, ils vont se... ou se mettre vers nous, ou alors se mettre sur les côtés, ou alors ils vont bugger en plein milieu, enfin voilà, ils font très très souvent ça. On pourrait le faire venir. Quatre. Un peu tu peux le finir. Volk m'a demandé d'obéir. Autant le finir. Toi, tu vas aller là, tu vas faire double tir sur lui, comme ça il va exploser. Mox, tu vas le faire venir. Je m'en charge. Merde, il est derrière le rempart. La chair n'est pas atteinte. Ah, maintenant il est protégé. Bien joué, Mox. Parce que ça, pour faire de la merde, c'est pas mal, Mox. C'est vraiment pas mal. Bref. Exécution. Where am I going? Je sais pas Gordon où tu vas, je sais pas. I wonder if this is what being a dog catcher is like. Actually, I don't think they get guns. Then we're all in agreement. Let's go, we're almost clear. Voilà. Stepping off. Voilà. Ça se passe bien. Pas que les machins viennent maintenant, sinon ça va faire chier. Quoi ce bruit? Ok, elles sont parties. Where the hell are we going? I'm reloading. Rechargement. Il faudrait plus de munitions à lui en fait. Non, j'avais dit que le rechargement comme ça c'était bien. À vos ordres, commandant. C'est pas grave. There. I'm on it. Recharge. Couvrez-moi, je recharge. I'm watching. I'm always watching. Non, parce que Mox, s'il perd un tour à recharger, s'il perd une action à recharger, ça fait chier. Ça casse en fait son niveau de gameplay. Je me dépêche. On va mettre Mox. Toi par contre, faut que tu bouges. Je vous fais confiance. L'emplacement. Toi là. Ah, ok, tout le monde est là. Tout le monde est là, ok, ça marche. I'm ready. Watch your I'm ready. We have insurance policy.
Ne venez pas encore, on n'est pas prêt. Ok, très bien. Smart Overwatch Others, ça marche. Overwatch. Je vais me placer. Je vous retrouverai toujours. Très bien, on a marqué les 4. Ouh, c'est dégueulasse. Je vais où on a besoin de moi. On va se mettre là, juste pour pas qu'on soit sur le chemin. Ok, maintenant si elles arrivent, c'est massacre. Je voulais pas trop qu'on ouvre le feu à cette distance, mais bon, en théorie elle devrait venir vers nous, parce qu'elle c'est des fonceuses. Oh, raté. Même qui est morte. Eh ben les mecs, c'est pas du joli, hein. Vous avez raté vos tirs à mort. C'est incroyable que... La merde que vous m'avez foutu, hein. C'est incroyable. Voir un peu du travail d'artiste. Oui, vous êtes. Un derrière. Fait chier de pas le voir. On a pas vraiment besoin de se mettre à couvert pour ce genre de monstre. Très bien. Regarde les points d'action. Elle peut bouger. Elle peut rebouger maintenant. On vient de recharger. Elle peut encore se déplacer. Et elle peut tirer. Pourquoi? Parce qu'on avait, on a un placable en fait. Donc ça nous donne un tour après avoir joué. Donc ça compte comme une action. Et après on a fait assassin. Donc on a fait que gagner des actions. C'est un peu abusé. T'as pas une ligne de tir? Apparemment non. Là j'aurais dit oui, mais apparemment non. J'ai pas envie d'utiliser Mox, pardon. Take him out. Take him out. Et de Mox. Ça risque de faire un peu plus mal. Tada! Et voilà. What's over here? Vu qu'on a pris le truc, le fait qu'il puisse tirer plus d'une fois, c'est vrai que là, ça serait mieux d'avoir un. D'avoir un. Comment ça s'appelle? On va recharger. D'avoir un chargeur augmenté. Mais bon, il peut tirer que deux fois parce que c'est par rapport à ses actions. Reloading.
tout le monde a rechargé, on peut avancer. Keep an eye on those military fuckers. Let's go. Je me déplace. Pas de porte. Non, là c'est d'où on vient, c'est pas une porte. Je bouge. Signature énergétique droit devant. Il semble que nous ayons affaire à un appareil de transport extraterrestre. Compris. On sait déjà comment repartir d'ici. Ça marche. Copy that. Ten four. I can't shake the feeling that I'm going the wrong way again. Voilà. Keep your guard up. Aliens come out to play. Okay, on a un passage là. Je suis à vos ordres. De l'ascenseur, et là je vais où du coup? Ah, mais c'est là d'où on vient, d'où on a tué le groupe. Ok, ça marche. Désolé. Volk m'a demandé d'obéir. Vous ne m'échapperez pas. Une patrouille extraterrestre approche. Ok, grosse patrouille. Non, on va simplement avancer les gens. Don't patronize me. On va faire le même système de la porte. Ouais, on va faire le même truc. Sauf que là... Ah, il s'approche un peu. On va peut-être pas avoir le temps. Je vais où vous voulez. Peut-être pas avoir le temps de se placer vraiment. Toi, tu as la cour, genre tu cours et tu te mets en directement. Si vous utilisez tous vos points d'action. Ouais, ok, ça marche. Okay. Non, on peut placer tout le monde. C'est pas l'idéal. Placer tout le monde. Let's go, we're almost clear. Genre là. Genre là. All right, come on. I guess that'll be okay. Ok, alors. Mock, j'ai envie de recharger pour qu'il tire plusieurs fois, mais ça va, y a pas. Surveille la zone. Y a quoi, y a 3 personnes, ça va. On va se retirer parce que j'ai peur qu'ils se mettent sur les coins. On va se mettre là. À vos ordres, commandant. Vous savez, ils se mettent là par. Tir de couverture très bien. Est-ce qu'ils vont venir vers nous? Je sais pas. Non, ok. On peut se placer encore plus près. Get over there, move! Là, il y a une ouverture. Il y a un tir qui est passé qui a détruit ça. Where am I going? Say so.
Elle, elle pourrait... Oh, la vache, elle peut faire ça. J'ai envie de le tenter, mais j'ai peur que ça fasse un bug, que ça fasse ouvrir la porte ou une connerie comme ça, non? On va rester comme ça. Je sais pas. Vous savez, des fois, hein, ça fait un peu peur, ces trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent pas. Vous pas, les mecs. I'm hearing voices again. Parce que là, faudrait vraiment qu'ils viennent, en fait. Je change de position. Ça va. Il a vu à travers la lucarne, donc ils vont pas ouvrir la porte, les autres ils vont pas tirer. J'ai rien dit. Donc, je sais pas ce qui se passe. Ok. C'est parti. L'assassin qui est prêt, très bien. Alors on va essayer de faire ça sans utiliser de requêtes et tout ça. Mais je pense que c'est impossible. Je pense que ça va être impossible. Je recharge mes munitions. Il y a le 12 qu'il faut attirer. Là, si on fait du assassin, on a des bons pourcentages. Parce que encore une fois, on lui a mis plein de choses, de tirs. Oh la vache! Je suis dégoûté. Ah mon dieu, là j'ai un doute, je sais pas comment faire. Alors on peut faire du bannissement sur lui, mais je tirerai qu'une fois. Enfin j'en ai qu'un seul de bannissement, c'est un peu con de l'utiliser pour ça. Elle a pas bougé, donc elle a tout le monde en vue. J'ai peur que ça explose, on va pas se mettre derrière. Je vais voir un peu le fusil à pompe. 8 à 10. 8 à 10.
Ils ont beaucoup d'armure, c'est con. Faudrait un peu baisser leur HP. Un tout petit peu baisser leur HP. Évidemment, il est très très mal placé. On a eu du crit, c'est pas mal. Wait. Oh, non, tu m'as merdé le truc. Il est empoisonné, lui. Brûlure d'acide. Empoisonné, brûlure. Et il reste plus plus. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Ah, la porte était ouverte, en fait. Pas mal. C'est un mélange spécial. J'ai marqué la cible. Très bien. Voilà. Gordon, s'il te plaît. Ne me fais pas de la merde. Yeah, I'm gonna go crazy. Pouf. Extinction. Très bien. Tu t'es réactivé ou quoi? Voilà. Blasting that target. Ah tiens, le super boom, ça marche aussi sur... sur les dots en fait, si l'explosion en fait a été critique, je crois. Je pense que ça... Vous voyez ce que je veux dire? Le dot va être critique aussi. Alors, en tout cas, ils m'ont fait un peu de la merde. Là j'avoue, je suis pas super content. Genre, Lupo, elle a fait du très très bon au début. Là, elle a merdé. C'est mort. Tiens, elle a pas crit. Pas très très fier, les gars. Oh yeah. Just a moment.
On devait utiliser une seule grenade. Command. Une longue approche. Une seule. Là, on a utilisé une acide, une poison. La poison, en plus, on en avait qu'une seule. Donc, On the move. Pas extrêmement content. Mais c'est pas grave. On va faire ça. Parce qu'on peut pas vraiment l'empoisonner à part ses tirs, je crois, à lui. Mais je suis pas sûr. Oh, hold on. Let me reload. Si on peut empoisonner, acidifier l'autre. What's over here? C'est le top quoi. Let's move. Laissez-moi recharger. Je vais où on a besoin de moi. I'm reloading. What's over there? Watch my back. Bon là, qu'est-ce que... Got a cover. Vigilance confirmée. Passer le tour. C'est bon, t'as rechargé. Yes, okay. Allez, c'est bon, on y va. Attention, 16 unités présentes à plateforme, oui. Bien joué, menace 5-5. On se retrouve de l'autre côté. C'est parti. Le combat.